Ça fait un an maintenant qu'ils sont otages. On a le sentiment de ne plus comprendre ce qui se passe. On a le sentiment de ne plus comprendre pourquoi c'est si long, pourquoi ils ne sont toujours pas là, qu'est-ce qui bloque dans les négociations, qu'est-ce qui fait que c'est l'une des plus longues prises d'otages de l'histoire du journalisme français. Donc l'idée, voilà, c'était de secouer l'opinion publique, de dire ça fait un an, on en a ras-le-bol. Personne ne pensait qu'on arriverait au un an, personne ne souhaitait qu'on arrive à une prise d'otages aussi longue, et il fallait marquer le coup. Je crois que pour les familles, pour les proches, pour les amis, ils sont tellement absents, on pense tellement à eux qu'on finit par les voir partout. Alors autant les voir sur les murs de Paris.